Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Enculé, va. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Nex. On se retrouve aujourd'hui pour une ouverture particulière. On ne va pas dire spéciale. Pour une ouverture particulière, on va ouvrir 4 boosters Glaciation Plasma que j'attends depuis plusieurs semaines. Donc je suis content de les avoir. Donc c'était boosters du bloc noir et blanc qui sont sortis en 2013. Donc on va dire que c'est pas du niveau de ce que peut ouvrir David Lafarge, mais c'est quand même, ça commence à être assez vieux maintenant. On peut voir, j'ai un petit peu peur d'allumer le booster, mais on peut voir juste là, Pokémon 2013, voilà. Ouais, j'ai un trépied de est tombé, c'est une fabrication artisanale, on va dire. Parce que j'ai prêté mon trépied à quelqu'un, du coup là c'est un petit peu la merde, donc si je fais des trucs comme ça, c'est pour avoir un peu plus de visibilité. Du coup voilà, les 4 boosters avec les 4 illustrations. On va s'avouer un petit peu, je vous cache pas. Parce que c'est quand même pas tous les jours que tu ouvres des boosters de noir et blanc, quoi. Aïe aïe aïe. Stylé, en plus ils sont beaux. Hein. Et eh ben on va commencer direct, allez, on va pas attendre plus que ça. Voilà. Que dire, à l'époque le code il était redesigné à chaque édition. Bah parce qu'en fait les codes c'est arrivé avec le code noir et blanc, vu que c'est à ce moment-là qu'ils ont créé le JCC en ligne. Du coup, 1, 2, 3. 1, 2, à l'époque c'était 1, 2, 3, 1, 2, et oui, ce n'était pas 1, 2, 3, 4, 1, 2. Alors, on va y aller tranquillement. Là, on a un joli sort bébé. Un colossinge commune, d'accord. C'est sympa. Hippotrempe, attendez, je reprends le paquet pour être plus à l'aise. Donc un hippotrempe, super mignon. Tout à fait, qui est hérité d'une nouvelle forme récemment avec la région de Galar. Ouais, puis il commence à y avoir tellement de régions que je commence à plus suivre. Aspico, Mentali, super belle. Mentali en carte plasma, car toutes les éditions Glaciation Plasma, Explosion Plasma, ce genre de choses. On a vu l'arrivée des cartes plasma, donc qui sont un petit peu designées sympatoches. Ouais, ça veut rien dire ce que je dis, mais c'est pas grave. Voilà, donc Mentali qui est très joli. Sorboule. Récupération d'énergie. La reverse. Scalpion, je crois que j'ai déjà, et même déjà en reverse. Et là, ultra rare. Yes! Content. Bah déjà là on part bien. Déjà là on part bien avec un petit Latias X. Super classe. Waouh. Comment se porte la carte sur ses ports? Ça va. Ah je suis content. Je suis content de pouvoir ajouter à ma collection une ultra. Que j'ai eu en vidéo en plus. Super classe. Je suis trop content. En plus, j'ai pas beaucoup voir. Alors, voilà, c'est bon, ça me revient. J'ai qu'une seule ultra rare de Glaciation Plasma, c'est le Eatram Plasma, si je me trompe pas. Donc voilà, directement sous Toploader. Super classe le Latias. Qu'est-ce que je suis content. Putain. Imaginons, on a une full art là dans la suite directe. On passe. Au booster Absol, qui est super classe, je sais pas pourquoi, mais j'adore ce booster. Je sais pas, celui-ci en particulier, plus que les autres. Je le trouve trop classe. Hop. Et en plus, ils étaient super stylés quand même, les codes à l'époque. Hein. Maintenant, ils ont arrêté de le redesigner à chaque fois, mais c'était grave stylé. 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 J'ai du mal à parler, voilà pour vous. Hop, pardon, je me grattais la jambe. Nous avons un petit 1, 2, 3, 1, 2. Clac.
Non, toi, j'ai cru qu'il y avait une carte noire. Je me suis dit, mais quelle est cette sorcellerie? Alors, on a un petit. Hop, Soloshi. Farfuret. Terral, le petit Terral. Nidoran femelle. Qui est super mignon. Mignonne, du coup. Eh oui, car c'est une femelle. Cacnea. Aqualie, yes! On va tous se les faire, dis donc. Aqualie. Eh ben, très sympa. Très joli. Misdibule. Le Métang, ce serait beau qu'on ait un Métalos. Batrachnée, je n'affectionne pas tant que ça ce Pokémon, je vous cache pas. Et derrière ça, un Dardarian. Ok, sympa, stylé, je l'ai pas de toute façon. J'ai pas énormément de cartes de cette édition. Ouais, sympa. Très sympa. Ok. Ok. Alors, on continue avec le Fulguris. Je sais plus c'est quoi, c'est le nom de leur forme comme ça. Je sais pas. Parce que du coup, Boreas, Fulguris et Demeteros, ils ont des formes spéciales qu'ils pouvaient avoir en se servant d'un miroir qu'on ne pouvait pas obtenir de façon normale. Fallait soit faire un event. Soit utiliser les codes de triche en fait. Hop. Alors, nous avons le tout à fait qu'on a déjà eu tout à l'heure. Aspicot, Tritonde, Nidoran. Pardon, j'étais pas très bien centré. Colossinge, là c'est pas mal de cartes qu'on a déjà eu. Alors le trio des ombres. Ok. Celle-ci, on l'avait pas, donc c'est cool. Étourvol, Venturne, Talmove, bof, voilà. Et noix de coco. Ok. Ah, si on pouvait avoir un dernier petit truc, tu vois, dans l'idéal, une petite ultra ou au pire, je sais pas, une holo, quelque chose de sympa. Bon, allez, on attaque le petit Deoxys pour finir. Et là, dans tous les cas, le petit Latias, il fait plaisir. Ce serait beau qu'on ait Latios, je ne sais pas s'il y est dans cette édition. Je vous cache pas que j'ai pas revérifié les cartes de l'édition avant de faire la vidéo. Mais bref, on verra. 1, 2, 3, 1, 2. Hop. Alors, bon, je tape sur le bureau. Alors. On commence avec Scalpion, Lupio, Mascaïman, Farfuret, oups, du coup Funessir, Aqualie, bah, qu'on a déjà eu, c'est pas grave, je l'aurai en double. C'est une jolie carte, donc ça me va. Hop. Récupération d'énergie supérieure, qu'on a déjà eu également. Venturne, qu'on a déjà eu également. Sorbouboule, ok, alors déjà c'est une rare. Ok, c'est une rare. Du coup, Sorbouboule en reverse. Et de la team Pasma. Bah, sympa. Ok, ça nous fait une rare reverse. Et allez, pour finir. Ok, ça me va. Étouraptor. J'adore ce Pokémon, donc ça me va bien. Je savais même pas s'il était en rare, en holo, en ultra. Ok. Bah, écoutez. Moi, ça me va plutôt bien ce qu'on a eu. Je suis assez satisfait, je vais reprendre les rares pour que vous voyez. Tac. Hop. Hop. On va pas tout faire tomber. Du coup, hop, je vous mets ça là. Et avec le petit Latias qui est magnifique. Honnêtement, voilà. C'est une ouverture plutôt sympa. J'aurais pu ne rien avoir. Parce que à l'époque, il y avait quand même moins d'ultra rares que maintenant. Hein. Je crois que dans une display, maintenant c'est 6. À l'époque, c'était quand même moins que ça. Je crois que c'était bien peut-être 4, 4 ultra rares. Donc après, je sais pas si ces boosters sont sortis de display ou pas. Mais on aurait pu ne rien avoir. Alors là, le petit Latias X, il est très sympa. C'est le 85e sur 116.
Et en plus, il est en super bon état, la carte est bien centrée. Je suis très content. Enfin voilà. Hop. On va mettre ça comme ça. Et puis, ouais, le petit sort boubou, le reverse à la fin. Qui fait plaisir, le tout Raptor. Moi, je suis plutôt satisfait. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette ouverture. Moi, je suis très, très content. Lâchez un like, ça fait énormément plaisir. J'ai potentiellement 4 autres boosters de cette édition qui doivent arriver bientôt, mais je vous cache pas que en ce moment, les livraisons, c'est pas trop ça, et les boosters, ils ont l'air d'être bloqués je ne sais où. Donc, j'espère les recevoir quand même. Mais du coup, lâche un like vraiment si la vidéo t'a plu. Je pourrais en refaire d'autres de ce genre-là, ouvrir des boosters assez vieux de noir et blanc, et pourquoi pas même dans le futur taper dans le Heart Gold Soul Silver, Platine, Diamant et Perle, qui sait. Après, plus loin que Diamant et Perle, ça va quand même être très compliqué. Mais voilà, vraiment, lâche un like, ça me fera très très plaisir. Dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo dans les commentaires. Partage la vidéo à tes potes, c'est très important. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles ouvertures. Ciao!